Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire un tuto tricot. Voilà, on va tricoter une petite étoile. Alors, on monte 23 mailles. Moi, je me suis un peu avancée. Hop. Il faut qu'on voie, faut qu'on s'arrête sur un rang jersey. Voilà. 1, 2, 3. Moi, j'ai fait 3 rangs. Voilà. Alors, on va faire 12 mailles en jersey. 12 mailles en droit. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Voilà, on a fait 12 mailles en maille jersey, pardon. Et là, on fait une maille envers. Alors, on met le fil devant soi et on la tricote à l'envers. Voilà ce que ça donne, une petite boucle. On remet le fil derrière et on tricote le reste. Une. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà ce qu'on a pour l'instant. Deuxième rang. On va tricoter les mailles comme elles se présentent. N'oubliez pas la maille celle-là, voyez, hop, il faut bien la tricoter, voilà, et on termine le rang normalement. Au troisième rang, on fait les mailles en jersey. Et là, on s'arrête une maille là. On avait fait la maille envers et on s'arrête une maille. Voilà. Alors, on va mettre le fil devant soi. On fait une maille
envers. Et sur la maille envers, on va la faire un endroit. Là, on va faire une maille envers. Et on continue le jersey. Voilà ce qu'on a, ce qu'on a pour l'instant. On tourne le travail et là on tricote les mailles comme elles se présentent. On se retrouve après. Alors on a tricoté les mailles comme elles se présentent. Voilà. Là on est sur l'endroit. Alors on va tricoter nos mailles jersey. Et là, on s'arrête une maille, là, ici. Alors là, on fait une maille envers. Hop. Et sur la maille envers, sur la maille endroit, on fait une maille à l'envers. Et on contrarie, en fait, on fait juste de contrarier les mailles. Là, une maille en droit, une maille envers. Et sur la maille jersey, on fait un contrarie. Voilà. On a une maille en droit. Non. Ah, attendez, que je vous dise pas n'importe quoi. Oui. Une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers et une maille en droit. On finira tout le temps avec des mailles en droit. Et là, on termine avec la maille jersey. On tourne le travail. Et là, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Là. Alors, on tricote les mailles comme elles se présentent. On se retrouve après. Alors, on a tricoté les mailles comme elles se présentent. Voilà. Là, on est sur l'endroit du travail. On va tricoter les mailles jersey jusqu'ici, jusqu'à la maille endroit. On s'arrête à une maille, voilà, de la maille endroit. Alors là, c'est fini. Là, c'est la maille endroit. Maille envers, on vient contrarier la maille. Voilà, là c'est la maille endroit, on la fait à l'envers. Et on continue. Et là, il y a le jersey, on fait, voilà, et on continue en jersey. Vous allez voir, c'est super facile.
Je suis arrivée du premier coup. C'est simple. Voilà. Et le rang en droit, envers. On fait les mailles comme elles se présentent. On se retrouve après. Alors, on a fait le rang envers. Là maintenant, on fait le rang en droit. Alors, on fait du jersey. Jusqu'à une maille avant la maille en droit. On y arrive. Là, il y a la maille en droit, là, il y a la maille en vert. On vient contrarier la maille. Hop. Allez, une boucle. On contrarie. Pas de boucle. Hop. Là, une boucle. Voilà. Et là, on vient contrarier avec une maille en droit. Une maille jersey et là on vient faire une maille en droit. On finira toujours par une maille en droit comme ça qu'on sait que on se trompe pas. On commence à dessiner, c'est joli hein, et on termine le rang par du jersey tout simplement. Voilà. On fait notre rang, les mailles comme elles se présentent. Voilà, on fait les mailles comme elles se présentent. On se retrouve après. On a tricoté les mailles comme elles se présentent sur l'envers. On se retrouve sur l'endroit. Et là, on va commencer, pardon, à faire les pattes de l'étoile, on va dire ça comme ça, je sais pas trop comment ça se dit. Alors on fait une maille jersey, voilà, là on fait une maille envers, maille en droit, maille envers, maille en droit, maille envers, maille en droit, maille envers, et là on doit faire une maille, on doit la contrarier. Voyez, là il y a la maille, maille envers. On fait une maille en droit. Voilà. Et on contrarie tout le long. Et on continue, on s'arrête pas, on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Hop. Et voilà,
On vient de faire notre rang. Voilà ce que ça donne. On tourne notre travail. Et là, on vient faire les mailles comme elles se présentent. Voilà. Alors, on a fait les mailles comme elles se présentent. Et là, hop, vous voyez, ça commence à monter. Hein. Alors, là, on va faire deux mailles jersey. Une, deux mailles. Et là, il y a une maille jersey, on vient la contrarier. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je vais me mettre, voilà, comme ça. Et on vient juste contrarier les mailles en fait. Voilà. On fait ça jusqu'à la fin du rang. Et là, on termine avec, que je dise pas n'importe quoi. Oui, c'est ça. Hop. Et une envers. Voilà. Et là, on vient tricoter les mailles comme elles se présentent. Alors, on a tricoté les mailles comme elles se trouvent. Et là, pardon, je me rends qu'il y a gargouille, excusez-moi. On va faire 3 mailles jersey. Voilà. Et là, on a une maille jersey, on vient contrarier. Désolée, mon portable a coupé. Alors, on était à contrarier les mailles. On continue. Bientôt à la fin. Et là, on finit avec deux mailles. Là, ça va faire trois mailles à jersey alors. Voilà. Trois mailles à jersey.
On tourne au travail, on tricote les mailles comme elles se présentent. On a fini le rang en tricotant les mailles comme elles se présentent. Là, on est sur l'endroit. On va tricoter. Une, deux, trois, quatre mailles jersey. Et là, on vient contrarier simplement les mailles comme elles sont. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Et là, on finit avec 4 mailles jersey. Une, deux, trois, quatre. Voilà. Et là, on tourne notre travail et on tricote les mailles comme elles se présentent. Voilà. Alors, on a terminé le rang endroit. Les mailles comme elles se présentent. Là, on est sur l'endroit. L'envers. Attendez. On a fait le rang envers. Là, on va tricoter le rang endroit. Alors, on tricote. Une. Deux. 3, 4, 5 mailles jersey. Et là, on vient contrarier tout simplement les mailles. Désolée, je m'en rends qui garouille. C'est que j'ai faim. Il est bientôt midi. C'est pour ça. Alors, on termine avec 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5 mailles jersey. Voilà. On tourne notre travail et on tricote les mailles comme elles se trouvent en fait, comme elles se présentent. Alors, on a tricoté les mailles comme elles se présentent. On se trouve sur l'endroit. Alors, on va tricoter. Une, deux, trois, quatre. Quatre mailles jersey, pardon. Et là, on vient contrarier la maille. Voilà. Et on fait ça. Jusqu'au bout.
Franchement, je le trouve super beau. Il peut aller sur un pull, sur un gant aussi, sur une moufle, peut-être sur un bonnet aussi, à voir. Mais en tout cas, il est super beau. Moi, j'adore. Personnellement, je pourrais le mettre partout. Voilà. Alors, là, on vient de contrarier les mailles. Et on se retrouve avec 1, 2, 3, 4. Et on fait les 4 mailles jersey. On finit avec les 4 mailles jersey. Voilà. Et là, on se retrouve à l'envers. On va tricoter les mailles comme elles se présentent. Alors, on a tricoté le rond à l'envers. On est sur l'endroit. Et là, maintenant, on tricote 1, 2, 3 mailles du jersey. On fait une à l'endroit. En fait, on contrarie les mailles là, en fait. On continue à contrarier les mailles. Hop. Et là, on fait sur une maille endroit, une maille de jersey. Et là, on fait et on arrive avec 3 mailles de jersey. On tourne le travail et là on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Alors, on a fini de tricoter les mailles à l'envers, on fait les mailles à l'endroit. Alors, on va tricoter. Une, deux, et là, on continue à contrarier les mailles. Voilà. Pardon, c'est mon chien qui est à côté de moi, qui se secoue. Hop. Voilà, là, on fait simplement que de contrarier maille. Voilà, jusqu'à à la fin. Là, voilà. On continue à contrarier les mailles.
on fait une maille. Et on termine avec deux mailles au jersey. Voilà. Et là, à l'envers, on a à l'envers, on tricote les mailles comme elles se présentent. Alors, on a fini le rang tricoté toutes les mailles comme elles se présentent. On est sur l'endroit. Voilà. Alors là, on va venir faire une maille jersey. Maille endroit. Et là, sur cette maille, on va venir simplement contrarier. Alors, comme le reste, on finit de contrarier. Tout simplement. Voilà. Voilà. On va aller jusqu'au bout comme ça. Hop. J'espère que vous voyez bien quand même. Hop. On vient contrarier. Là, et une maille jersey. On vient la contrarier et on vient finir la maille avec une maille de jersey. Voilà. Là, ici dans ce rang, on va faire les mailles comme elles se présentent. Alors, on a fini le rang comme les mailles elles se présentent. On est sur l'endroit. Là, hop. Alors on tricote une maille jersey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait une maille qu'on vient contrarier. Juste contrarier les mailles là. Et là on va faire que du jersey. On va finir le rang avec du jersey. Voilà. Voilà. On tourne notre travail et on finit. Et on tricote les mailles comme elles se présentent. Alors, on a fait les mailles comme elles se présentaient. Voilà. Alors, on va tricoter que du jersey pour l'instant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8,
9 mailles jersey. Et là, la maille de jersey, on vient à contrarier. Hop, voilà. Et là, on vient simplement contrarier les mailles. Tout simplement. Voilà. Et là, sur la maille en droit, on fait une maille en l'air. Et on termine avec du jersey. Voilà. Alors, là, on va venir contrarier les mailles. Tricoter les mailles comme elles se présentent, pardon. Voilà. Alors, on a fait les mailles comme elles se présentent. Voilà, là, on est sur l'endroit. Alors, on tricote 3, 6, 8 mailles de jersey. 9 mailles de jersey. Et là, elle est, il y a une boucle. On vient la contrarier, tout simplement. Voilà. Là, maille de jersey, on vient la contrarier. Une boucle, on vient la contrarier. Pas de boucle, on fait une boucle. Hop. Une boucle, bien à contrarier. Une boucle, hop. Et là, on finit qu'avec des mailles jersey. Une. Deux. Trois. 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, 8 maillets de jersey. Prends forme. On tourne le travail. On tricote les mailles comme elles se trouvent. Alors, on a fini les mailles comme elles se présentent. On est sur l'endroit. On tricote. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, il y a une boucle. On vient la contrarier. Voilà. Là, il n'y a pas de boucle. On vient. Hop. On la contrarie. Et on va contrarier. Voilà. Et là, il y a une boucle. On vient faire du jersey. Et on continue tout en jersey. Une. Alors, avec elle, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On tourne le tricot et on tricote les mailles comme elles se présentent. Alors, on a tricoté les mailles comme elles se trouvaient, comme elles se présentaient. On va tricoter en jersey. Une, deux, trois, quatre, cinq,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles au jersey. Parce que là, vous voyez, il y a une boucle, on vient la contrarier. Voilà. Là, il y a un jersey, on vient faire une boucle. Une boucle, on vient la contrarier. Et là, on termine qu'avec du jersey. Et là, on fait le rang, les mailles comme elles se présentent. Voilà, on a terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous trouvez, si le tuto est facile et bien, si vous avez un problème, j'y reprendrai. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker mes vidéos. Voilà, et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci, au revoir.